partir là, Rémi m'a laissé passer devant, il m'a dit vas-y devant. Et là, je me suis senti bien, j'ai pu mettre un peu une vitesse de plus. Et en fait, derrière, j'ai vu qu'il ne suivait pas, donc j'ai dit bon, c'est la bonne, il faut partir un peu fort. Aujourd'hui, j'ai vraiment pu profiter de la course. C'est toujours magnifique à regarder le paysage, à lutter avec les autres coureurs et profiter. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde aussi sur le parcours à encourager. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué les dernières années. Quand j'ai participé la première fois en 2009, c'est une course qui est loin de mes capacités. Je suis un coureur qui aime bien le technique, qui aime bien grimper. Et ici, ça me met toujours le challenge, ça me fait toujours douter. Et c'est ça aussi que j'aime. Pourquoi pas se préparer pour une deuxième victoire? Voilà, il faut le faire, c'est très difficile, mais j'ai essayé. Mon point fort, c'est vraiment la première grosse montée. Donc là, j'ai rapidement pris mon rythme, rapidement pris les devants aussi. J'espérais qu'elle ne se croche pas trop longtemps à moi, les autres filles. Enfin, c'était vraiment là où j'avais envie de faire la différence. Mais je n'ai pas non plus été dans le rouge. J'ai été dans la gestion de l'effort parce qu'après, c'est encore long. Et puis après, dans la dernière descente, j'ai vu que j'avais pas mal d'avance, on m'a dit aussi. Et donc, j'ai pu un peu relâcher et profiter de cette victoire. La difficulté à Bourgard, c'est que c'est très raide. On a un terrain qui peut être humide, comme aujourd'hui, donc un peu glissant. C'est le début du parcours, il ne faut pas non plus se griller, il faut prendre le bon rythme. Il y a deux techniques principalement, il y a celle où on court et celle où on est plutôt en marche rapide, avec éventuellement les mains posées sur les genoux. Juste avant le poste de ravitaillement de Barneza, il y a une section qui est dans un pierrier et qui là est très technique parce que c'est un passage où on arrive très vite et puis on est fatigué aussi par tout l'effort qui a été accompli jusque là. Des fois on manque peut-être un peu de lucidité aussi. Il ne faut pas avoir le pied qui se pose au mauvais endroit parce que là c'est la chute assurée et puis ça peut avoir de lourdes conséquences. Le pire c'est quand on commence à réfléchir justement où est-ce que je vais mettre les pieds, comment ça va se passer. Là en général on commence à décaler, on perd un peu de temps et... Ouais, on risque de finir à plat ventre, un peu comme quand on descend les escaliers à toute vitesse. Le torrent de Barneza, le secteur vraiment boueux. Il y en a quelques-uns, des secteurs comme ça, entre l'hôtel Weisshorn et Zinal. C'est des passages qu'il faut bien négocier. Zone très très humide, très glissante. Toujours à un stade de la course où on est fatigué et ça devient compliqué au niveau de la concentration. Donc beaucoup de vigilance et puis des risques de glissade effectivement.